On est trop vieux pour ces trucs-là, ils vont... Même en maternelle, ils s'en sortent mieux. Pourquoi tu dis ça? Je vous rappelle que cet atelier a pour but de développer votre sens artistique. Ouais, il s'est bien développé, là, il y en a partout. Appliquez-vous, ça fera un joli cadeau pour votre maman. Ça va, Raymond? T'es tout pâle? Oui, oui, c'est juste que... Il se passe des trucs bizarres chez moi en ce moment. Ah bon? Bah vas-y, raconte. C'est arrivé ce week-end. Ma mère a débarqué dans le salon. Alors, on cherche des idées? Ouais. Inoubliable, en 7 lettres. Inoubliable. Mariage, cadeau. Non, ça rentre pas. Qu'est-ce que ça peut bien être? Anniversaire, soirée, dîner en amoureux. Non, 7 lettres. C'est ça, fais l'innocent. Je l'ai bien eu. C'est nos 15 ans de mariage demain. Chaque année, je lui prépare une surprise. Mais cette fois-ci, j'y vais fort. Je fais comme si j'avais complètement oublié. Chut. Vous avez déjà entendu ça, vous? Faire exprès de pas faire de cadeau? Mon père, il a fait ça une fois et ma mère, elle a pas fait semblant de lui faire la tronche. Mais attendez, le pire, c'est ce qui s'est passé après. Vous faites quelque chose de spécial demain soir? Ah, Victor a dû me préparer une surprise, je lui fais confiance. Il a toujours adoré faire des cadeaux. L'an dernier, il m'a offert une montre d'une beauté. Des rondes serviettes en papier toilette, son instituteur le trouvait très inventif. 15 ans, déjà. Je me souviens quand il m'a demandé ma main, il est devenu tout rouge. En fait, il s'était renversé une tasse de café sur la cuisse. Oh, le maladroit. Quand il était petit, il s'est coincé les cheveux dans sa braguette de pantalon. Qu'est-ce qu'on a à rire? J'ai toujours voulu quelque chose de bien particulier, de spécial pour nos 15 ans, pour célébrer notre amour. Je me demande s'il y a vraiment pensé. Ah, bah c'est pas si grave. Suffit d'en parler à ton père. C'est ce que j'ai fait. Mais évidemment, fiston, je fais seulement semblant d'avoir oublié. Mais en réalité, je lui ai préparé quelque chose d'énorme. C'est ça ton super cadeau? C'est moche, hein? J'ai hâte de voir la tête de ta mère quand je vais lui offrir. Mais c'est affreux ce truc. Mais oui, c'est ça qui est génial. Waouh, il fait exprès de lui offrir un truc moche. Ça, c'est balèze. J'y comprends plus rien. Ma mère va être furieuse et lui, il voit rien. Tu sais quoi, Raymond? Si ta mère veut un cadeau, tu vas lui en offrir un. Tant pis si ton père comprend pas. Mais ouais, et tu feras croire que c'est ton père qui lui a offert. Comme ça, tout le monde est content. Vous êtes marrant, je vais le trouver où le cadeau? Bah là. Je suis pas bien sûr. Tu lui as déjà offert des trucs beaucoup plus moches pour la fête des mères. Et elle était toujours super contente, non? Ouais, t'as raison. De toute façon, j'ai pas le choix. Allô, ici Raymond. Marcello, t'es à ton poste? Yep. Opération disparition du cadeau pourri. Ça marche. C'est à toi. L'oiseau est dans le nid. Je répète, l'oiseau est dans le nid. Il est moche, hein? Eh bien, je vais l'offrir à ma femme. C'est pas beau, ça? Ah, je vais aller voir qui c'est. Garde un œil sur le cadeau. Fais attention, Marcello. Il sort de la cuisine. Ok, je le vois. Tiens, ça c'est bizarre. J'aurais juré que quelqu'un avait sonné. À toi, Yvon. Il faut que t'arrives à le bloquer dans le salon. Oh, vous êtes là. Ben oui. Dites-moi, j'avais une question depuis un moment. Qu'est-ce que vous pensez de l'infini? Bien, c'est-à-dire que... Raymond, c'est bon, la voie est libre. J'arrive. Parce que quand je dis infini, je ne me limite pas à l'espace-temps. Il reste plus qu'à jeter le chien flippant. En fait, c'est comme si nous n'étions qu'une infime poussière, hein, à l'intérieur d'un ensemble beaucoup plus vaste. Ouais, c'est brillant. Allô, Marcello? J'ai le paquet, tu peux venir le chercher. Marcello, tu m'entends? Allez, donne-le-moi vite avant que ta mère me voie. Eh, tu fais gaffe en le jetant, hein. Faut pas faire de bruit, faut surtout qu'on soit... Tout va bien? Oui, c'est rien du tout. C'est le chat, il a voulu mordre le chien, c'est tout. Sacré Gontran. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Hein? Oh, mais c'est merveilleux! Tu t'en es souvenu? Oui. Oh, il est toujours aussi moche, hein? Oh, j'ai vraiment de la chance de t'avoir. Je l'ai retrouvé dans une brocante, intacte. Ne bouge pas, moi aussi j'ai un cadeau. Bon,
Il y a quelqu'un qui m'explique ? Quand nous étions jeunes, on passait souvent devant une boutique de gadgets qui vendait des trucs horribles, dont ce chien. On riait tellement quand on voyait tous ces objets. Ah, un jour, je lui ai juré que pour nos 15 ans de mariage, je lui offrirais le chien. Chérie ? J'arrive ! Ah, c'est génial. Tout ça pour ça ? C'est tellement romantique. C'est nul. Waouh ! Jim Morikawa ! Il revient sur scène après 15 ans d'absence. On va voir s'il a aussi bien vieilli que nous. Maman, tu t'occupes de Raymond et de ses copains. On sort ce soir. Oui, oui. Tout va bien ? J'ai entendu du bruit. Oui. Papa aime maman, maman aime papa. Tout ça, quoi. C'est super. J'ai l'impression qu'il me regarde. Je comprends toujours pas. Y'a rien à comprendre, Raymond. Tes parents aiment se faire des cadeaux pourris. C'est leur truc, c'est tout. Maintenant, tu le sauras. Ouais, bah moi, je flippe un peu pour mon anniversaire. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est pour toi, mamie. C'est un cadeau. C'est vrai ? Oh, comme c'est mignon. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte pour mettre des trucs. Une boîte à trucs. Oh, quelle merveille !